Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Donc si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est vos guides, votre ange gardien qui vous ont guidé jusqu'à moi. Installez-vous confortablement, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. On va prendre un petit temps pour nous, là maintenant, tout de suite. On va voir un petit peu ce que l'univers veut nous faire passer comme message. Je rappelle aussi que le fait de vous abonner, c'est gratuit tout d'abord, et ensuite, ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre énergie, à votre âme, à votre vibration, à votre cœur, pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Voilà. Allez, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. S'il vous plaît, pour ce début de semaine, tous les êtres de lumière. On a l'ange de la gratitude, remerciement et satisfaction. Donc là, vous allez ressentir beaucoup de gratitude. Vous allez remercier l'univers, vous allez remercier les anges parce qu'il va se passer des choses extraordinaires pour vous. Ça va être magnifique. Voilà, on va le mettre là, l'ange de la gratitude. Ensuite, je vais prendre les rebelles sacrées pour voir les énergies du moment. Alors, elles sont bizarres, les énergies, hein, depuis ce matin. Je sais pas si vous, vous les ressentez, mais je sais pas, il y avait une énergie particulière aujourd'hui, depuis ce matin. Il a fait un temps magnifique, heureusement. Mais c'est vrai que les énergies étaient un petit peu bizarres. Bon, alors, carte 11, plongez vers la lumière. On vous dit de plonger vers la lumière, de vous diriger vers la lumière, de mettre de la lumière dans votre vie. Voilà, aujourd'hui, bah, j'étais appelée à mettre des lumières solaires, vous savez, dans mon jardin. Et, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai craqué. J'ai été acheter Bouddha, il est dans mon jardin, ça y est. Voilà, bon, j'ai pas résisté longtemps, hein, mais il m'a tellement appelé, mais tellement appelé ce matin. Il y en avait qu'un, il faut que j'aille le chercher, sinon il sera plus là. Donc, j'ai été chercher Bouddha, qui est magnifique et qui me donne une belle énergie dans mon jardin. Je sens une énergie de paix, une bonne énergie d'amour, ça fait du bien. Voilà, et je pense que ça va amener des belles ondes et des belles énergies au jardin. Bon, en tous les cas, on vous dit plonger vers la lumière, carte 11, donc c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. On voit qu'il là, il y a vraiment une symétrie parfaite. On voit des origines, qu'est-ce qu'on me dit, de l'Atlantide. On voit des origines de l'Atlantide, des origines asiatiques. Et puis le monde de la mer, vous êtes appelé à plonger, donc peut-être qu'il faut aller nager aussi, aller vous dépenser à la piscine, aller faire du sport, faites de l'aquagym, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va vous pousser à plonger dans l'eau, à aller dans l'eau, pour vous purifier, pour oui, pour vous sentir mieux. Alors, hier, c'était sur quelle chaîne? C'était sur ma deuxième chaîne, je crois qu'on parlait de nager à contre-courant. Et là, on vous dit de plonger. Donc, il y a toujours une notion d'eau, de mer, de rivière ou de piscine, je ne sais pas. En tous les cas, on voit que vous êtes amené à plonger, à y aller, à vous lancer. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. On va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres
de lumière, les anges, merci, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tout, oups, ça a sauté. Alors, on a la carte 20, on parle de deuil, de douleur, de tristesse et de résurrection. Donc, on vous appelle à faire le deuil par rapport au passé, par rapport à quelqu'un aussi qui est passé de l'autre côté du voile. On voit que vous avez beaucoup de tristesse et vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup de douleur. Mais là, on voit une résurrection, une grande résurrection, là, à partir de maintenant. Alors, je vais prendre... Je vais prendre cet oracle qui m'a appelé là. C'est l'oracle des sept flammes sacrées. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on vous parle d'ascension là. Vous êtes vraiment tourné vers la lumière. L'énergie de la pleine lune aussi qui a eu un impact sur vous. Vous visez les étoiles. Vous êtes en train de monter des échelons, en train de progresser. Vous êtes en pleine ascension. Il y a une résurrection, on vient de vous le dire. Après un moment difficile, vous allez vous sentir mieux. Bon, super. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les guides angéliques. Allez, s'il vous plaît. Tout. Amour et connexion. Donc là... Vous avez une grande connexion avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Regardez comme c'est beau, c'est puissant. Amour et connexion. Donc là, il y a une progression dans un amour réciproque avec qui vous avez une grande connexion. Il y a quelque chose qui se passe quand vous vous touchez. Il y a une énergie puissante, magnifique. Et on vous dit intuition et téléchargement. Vous êtes en train de télécharger, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, votre conscience, vous êtes en train de canaliser et vous êtes en télépathie avec l'être aimé. Vous êtes en train de télécharger des informations importantes sur votre progression et votre ascension. Il y a vraiment là une grande connexion avec cet être. Je vais dire être de lumière, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière. Il y a une grande connexion entre vous et quand vous êtes connecté, c'est comme si autour de vous, et quand vous vous voyez, c'est comme si autour de vous, il y avait une bulle de lumière. Et on parle de signes et de rappels. Donc on vous dit que vous avez beaucoup de signes par rapport à cet homme ou à cette femme. Et on voit que vous allez avoir des rappels à l'ordre. De ne pas lâcher, de ne pas quitter ce lien sacré, divin que vous avez avec cette personne. C'est magnifique. On voit du bonheur, on voit du changement, une transformation. On a les hirondelles, donc le bonheur, les papillons, donc la transformation. Il y a vraiment un amour réciproque, il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Excusez-moi. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce que je sens qu'entre vous, il y a un effet miroir. Alors. Allez. S'il vous plaît.
Alors en fait, moi je viens d'arriver au bord de la mer, je ne fais pas encore la différence entre le goéland et la mouette. Et en fait, c'est un goéland, je crois, qui est sur le toit terrasse là. Il a fait un nid. Je pense que oui, c'est un goéland parce qu'il a un bec jaune. Donc c'est pas une mouette, je ne savais pas faire la différence, c'est mon voisin qui m'a expliqué. Et là, il y a un couple de goélands qui se font des câlins et qui ont un nid, un petit nid d'amour. Donc juste là, au-dessus de la maison qui est juste à côté de la mienne. Et c'est marrant parce que je les vois vraiment bien et ils sont côte à côte à se faire des câlins. Donc voilà, ça parle d'amour aussi. Les animaux sont étonnants et touchants. Allez, s'il vous plaît. Oups là. Bon. On a la carte de la santé. Donc là, on voit peut-être quelqu'un qui doit faire attention à sa santé, qui a peut-être des petits soucis de santé. Donc peut-être aller voir un médecin pour faire un petit check-up. Et sinon, on peut parler de quelqu'un qui travaille dans la santé. Hein. Ça peut être un médecin, ça peut être un ostéo, un dentiste, n'importe quelle pratique de médecine ou de santé. D'accord? Donc il y a peut-être une infirmière, il y a peut-être voilà, tout ce qui touche à la santé. Un pharmacien, enfin peu importe. Et on parle de fécondité. Donc avec cet homme ou cette femme qui travaille dans la santé, on vous dit que c'est pas terminé, c'est que ça commence, il y a une fécondité, donc il y a quelque chose qui va grandir. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, là, qui va sortir, hein, qui va grandir. Il y a peut-être un enfant qui va découler de cet amour ou un nouveau projet. Moi, vous savez comment j'appelle mes oracles, c'est mes bébés. Donc peut-être qu'il y a un bébé qui va en découler. Ça peut être aussi un médecin obstétricien ou une obstétricienne, gynécologue ou quelqu'un qui s'occupe des femmes enceintes. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, une sage-femme. On va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on parle vraiment d'une évolution, d'une progression hein, avec cet homme ou cette femme. Donc là, il y a quelqu'un qui va enfin gravir les échelons, qui va gravir l'escalier, qui va prendre l'escalier pour venir vous rejoindre. On voit que ça a été chaotique, ça a été difficile. Il y a peut-être aussi une différence d'âge. Hein, je ne sais pas ce que j'entends. Il y a peut-être plusieurs générations ou une génération de différence. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Tour. Alors, on voit qu'il y a une instabilité. Il y a quelqu'un là qui est sur un fil et qui a peur de basculer, qui a peur de tomber. Là, il essaye vraiment de garder son équilibre, hein, cet homme. Moi, je dis un homme parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, c'est général et intemporel, peu importe quel genre vous êtes, hein, vous pouvez être ici pour une femme. Donc, on parle d'instabilité, on voit que cette personne a peur de perdre son équilibre. Et puis, on voit de la jalousie. On voit que cet homme est peut-être jaloux. Il vous espionne, il vous scrute, voilà, il vous surveille peut-être pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre hein, qui est autour de vous ou avec vous. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être une tierce jalouse, une tierce personne jalouse. Allez, s'il vous plaît. Oups, il y a un homme là. Un homme qui arrive et qui a décidé de mettre son armure hein, pour vous conquérir. Il a sorti tout son attirail là. Attention, hein. Ouais, alors là, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur qui arrive avec cet homme. Il y a une grande chance. Quelqu'un qui va vous tendre sa main, qui va vouloir vous donner de l'aide, vous apporter de l'aide. Mais en tout cas, il y a de la chance et du bonheur avec cet homme qui arrive. Allez, s'il vous plaît. Tour. Les êtres. Oups. Alors, on parle d'hérédité, on parle d'héritage. Donc, cet homme a hérité certainement d'un de ses parents ou de ses parents, je ne sais pas, peut-être une certaine fortune ou certains dons ou d'une maison ou
de capacité ou quelque chose de famille. Peut-être que de génération en génération, ils sont dans la santé, ils sont médecins. Vous voyez, c'est ce qui me vient. En tous les cas, on voit que cet homme a certainement perdu quelqu'un de cher, alors un parent ou quelqu'un qui tenait beaucoup. Et on voit qu'il va y avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que il est amené à revenir vers vous. C'est-à-dire que là, il y a aussi le karma qui va être lancé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été jaloux, qui a été méchant, qui a essayé de vous séparer, qui vous a séparé. Il y a une rupture, hein. Mais là, on voit qu'on essaye de recoller les morceaux parce que vous avez été blessé, vous avez été déchiré par des choses, des mots, des comportements. Donc là, on voit un retour. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre avec le yin et le yang. On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive. Donc cet homme revient vers vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oui, on voit qu'il y a une tierce qui a échoué, hein. Il y a quelqu'un qui a échoué dans son stratège, sa stratégie pour vous empêcher de vous aimer. Elle vous avait accusé à tort, peut-être, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est assez machiavélique, hein, qui a essayé de vous tendre un piège pour vous faire accuser, pour vous faire tomber par rapport peut-être à votre hôte, je ne sais pas. Peut-être que cette personne colporte des choses fausses sur vous. Mais on voit que vous avez la réussite, le triomphe. On voit que cette personne a beaucoup de bagages, a beaucoup d'études derrière lui. Surtout si c'est un médecin, hein, c'est assez long les études de médecine. On voit quelqu'un de diplômé en tous les cas. Quelqu'un qui est vraiment, peut-être a fait ses études aux États-Unis, je ne sais pas si c'est ce que j'entends, ou parle anglais couramment. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouais. Alors, il y a quand même un bouclier de protection, hein. C'est quelqu'un qui se protège énormément. Il se protège parce qu'il. Il a peur de. Il a peur de. Comment vous dire? De sortir de sa zone de confort. Il a peur de perdre le contrôle. Le contrôle de ses sentiments, le contrôle sur sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être construit quelque chose depuis longtemps. Et le fait de vous connaître, le fait de se laisser charmer par votre regard, par tout ça. Ça le déstabilise tellement qu'il prend peur et il se protège pour pas tout, comment dire, pour pas tout perdre, parce qu'il sait que si jamais il devait et il doit, de toute façon, je ressens qu'il va, il va revenir vers vous. Et bah, s'il se passe quelque chose et que l'histoire va plus loin, et bah, il est appelé à y laisser des plumes entre guillemets, à laisser du matériel, à laisser, voyez. Alors, on voit bien qu'il y a une séparation qui arrive, ou qu'il y a eu une séparation par protection. Là, on voit, oh là là, fou, 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 fou. Moi, je vois cet homme peut-être qui était en couple, qui va se séparer. Ça va partir en justice, il va y avoir un divorce, parce que cette personne l'a trahi au niveau de l'argent, lui a volé de l'argent. Et donc, il va y avoir un verdict, le verdict va tomber. La justice va tomber, la justice divine. Et vous allez être beaucoup plus tranquille, hein, vous allez être zen. Bah, regardez, c'est marrant parce que c'est exactement Bouddha, c'est exactement la même posture. Donc il est encore là. L'énergie du Bouddha est très présente, hein, je vous le dis, depuis quelques jours, je le ressens. Donc on voit que là, vous allez aller mieux, vous allez être tranquille, vous allez retrouver une zénitude. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Je vous vois faire un voyage.
Vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être aller voir des Bouddhas. Je pense à quelqu'un qui est en Thaïlande. En tous les cas, là, on voit que vous voyagez, que vous allez peut-être visiter des temples, vous allez aller dans un lieu comme la Thaïlande ou un lieu magnifique qui est vraiment paradisiaque en tous les cas. Alors, tous les êtres de lumière. Bon, là, on voit que il y a un voyage qui est obligatoire, qui vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de partir. Vous n'avez pas le choix que de prendre l'avion. Il y a peut-être quelqu'un là qui tombe de haut aussi. J'entends quelqu'un qui tombe de haut par rapport à la tierce. Alors, on voit qu'il y a un cadeau, il y a une grâce de l'univers. Peut-être que cet homme ou cette femme va vouloir vous offrir un cadeau pour se faire pardonner. J'entends pour se faire pardonner par rapport à son comportement. Allez, s'il vous plaît. Ouais, regardez. Il va vous présenter ses amis. Vous allez être appelé à l'emmener avec des, à aller voir vos amis ou lui va vous emmener voir ses amis. En tous les cas, il y a peut-être un lien d'amitié à la base entre vous, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Il y a peut-être un lien d'amitié qui s'est transformé en amour ou un lien qui a commencé avec de l'amitié et qui continue avec de l'amour. Donc là, il y a vraiment des belles énergies d'amour, surtout que la dernière carte, c'est la victoire. Donc il y a la victoire en amour pour vous, vous qui regardez cette vidéo. D'accord? Alors, je vais prendre une gorgée. Et je vais prendre une carte, message des nombres. Alors, message des nombres. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Tu as besoin de faire preuve avec le chiffre 7, pardon, je ne vous ai pas montré, c'est le chiffre 7. Donc c'est une fin de cycle ou un début de cycle, en tous les cas, le chiffre 7. Tu as besoin de faire preuve de discernement et de lucidité, ta capacité à réfléchir et à te renseigner autour de toi, à prendre le temps de l'intérioriser, à te faire accompagner, va t'aider à y voir plus clair. Donc je rappelle là qu'on vous dit qu'il serait bien que vous fassiez accompagner, conseiller, que vous preniez assez de discernement et de recul. Alors je rappelle pour tous ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, chiffre 9. Donc ça fait 79. C'est peut-être votre année de naissance ou son année de naissance. Tu as besoin de t'ouvrir davantage au groupe, au collectif, au monde. Tu as besoin de partager, de contribuer généreusement au bien-être de chacun. La vie est généreuse avec ceux qui sont généreux. Plus tu donnes et plus tu reçois. Voilà. C'est ça, c'est une loi universelle. Quand on donne, on reçoit. On reçoit ce qu'on donne en fait. Si on donne du bien, si on est positif, on attire et on reçoit du bon et du positif. Si c'est l'inverse, ben on reçoit l'inverse tout simplement. Donc, chiffres 7 et 9. Ce qui peut faire aussi 16, 16, ou on revient encore à 7. Donc, voilà, peut-être que ça vous parle. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureuses. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Donc, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, pourtant, je les ai battues, mais elles se suivent. C'est le 29 et le 28. Alors, les méandres du déni. Tiens donc. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Donc il y a quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui est dans le déni mais qui va revenir vers vous. Sortez de la dépendance affective. Je ressens des énergies de flammes jumelles. Je suis désolée, mais là, ça ressemble aux énergies de flammes jumelles. Croire que son pouvoir est chez les autres. Donc, on vous dit sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Voilà. Hop. Donc, je vais vous passer, j'ai aussi Saint Charbel qui va vous passer un message. Je vais prendre une carte au hasard. Allez. Saisir l'occasion diffère de la Saisir l'occasion diffère de la capitulation devant la tentation. Saisir l'occasion diffère de la capitulation devant la tentation. Et ça colle parfaitement. Et c'est Saint Charbel. Cette phrase vient de lui. Donc là, il y a quelqu'un qui capitule devant la tentation vis-à-vis de vous. Voilà. Alors. Ça, je vais ranger. Et je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, je vous propose, si vous voulez, bien entendu, et si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation, d'aller sur Vimeo, si vous voulez un complément pour dialoguer avec votre autre. Allez, un message de Marie. Marie vous dit que vous allez avoir une grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures, créations de Dieu. Donc, en fait, vous êtes une grâce divine vous-même. Alors, on va prendre un message de Jésus pour vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a quelqu'un qui vraiment a peur de tomber dans la tentation avec vous. Très très peur. Ça n'arrête pas de parler de tentation. Là, c'est très très fort. Bon, voilà mes petites étoiles. Je ne vous ai pas passé de signe de cette vidéo. Je vais vous en passer avec l'oracle de la vie est belle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, eh bien,
C'est la carte de la paix, donc vous allez faire la paix avec quelqu'un, avec votre hôte certainement. Et le signe de cette vidéo, c'est le signe Peace and Love. Donc si vous voyez ce signe quelque part, en bijou, en vrai, en illustration, en mots, peu importe, c'est que cette vidéo était pour vous. On parle de paix, de réconciliation, de retour et d'harmonie. Voilà. Donc, ça confirme la guidance que je viens de vous faire. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Je veux juste à vous dire merci. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité et votre bienveillance. Merci pour votre abonnement, votre like, votre commentaire, votre partage. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous invite à si vous le voulez, bien entendu, si votre cœur vous le dit, si vous êtes poussé parce que cette vidéo a résonné, a vibré en vous, vous avez eu de l'émotion, des larmes, des rires, des frissons, je ne sais pas, vous vous êtes reconnu, eh bien vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations, vous pouvez cliquer dessus pour avoir un complément, pour dialoguer avec votre autre. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous fais des gros bisous parce que je vous aime, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Merci encore, merci infiniment.